authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like, when I think about, do I care about my employees? It feels more like, in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's how my, that's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ekomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Omi Frog Show. So, donc, hey, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, Omi Frog Show. Donc, on fait comme d'habitude, la charte du Bitcoin, les Omi Burn, la charte du Omi. Il n'y a pas vraiment de news, au contraire, on a toujours pas de news. Tout ce qu'on attend, c'est des news sur le Hoop ou peut-être un peu sur le Master Collector Program. Les VV News, on ne les regarde pas vraiment dans le Omi Frog Show. Donc, that's it. Faut aller faire un tour, disclaimer, genre rapidement. Je parlerai même pas. Je mets ça, il fait une petite lecture, 10 secondes, puis voilà nos chartes. Donc, de prime abord, notre Bitcoin sur le Weekly. Vous voyez, notre chandelle ici a l'air un peu quand même weirdly pour une... c'est sûr qu'il reste 5 jours, là, mais... et weird un petit peu. Là, il y a ce que je vous ai dit tantôt. Là, pour moi, c'est très, très réaliste dans la mesure. Parce que là, là tout le monde est comme, « Oh, Bitcoin, let's go, 12 000$ Bitcoin, yeah! Ben, » ouais, si tout le monde pense quelque chose, moi, je pense l'inverse. Genre, ça... c'est extrémiste, là, c'est pas vrai, là, parce que ça fait combien de temps, moi, je parle de 12 puis de 14, ben, non, c'est pas vrai, faut pas choyer un esti de menteur, ici. Ça fait combien de temps, je parle du 14 000, je parle pas du 12 000, ben, je trouve que c'est bon un petit peu, 12 000, mais je sais que 12 009, ça reste quand même la prochaine top de la prochaine zone, genre, ok? Mais, pour moi, 14 000, me semble même que, tu sais, 15 000, il risque d'avoir une espèce de plafond psychologique qui va peut-être être dur à traverser. Mais ça reste ce que je parle depuis au moins genre 2 mois. Genre, probablement même peut-être un peu plus. Tu sais, genre, sans fucking exagérer, là, j'en ai parlé, genre, en tout cas, j'en ai parlé les premières fois il y a quand même un bon bout. Puis là, les gens commencent à dire ce que je pense. Puis j'avais raison à chaque fois qu'il y avait. Tu sais, j'avais pas raison. J'haïs ça dire ça. Hostie que j'haïs ça dire ça. J'avais pas raison. Mes lectures étaient bonnes à chaque fois que je disais on s'en va vers ça, on s'en va vers ça. Mes lectures ont semblé bonnes. J'ai dit on va consolider, on va repartir en downtrend. On va avoir une uptrend après la consolidation. T'sais, c'est toutes des choses que j'ai comme lues, puis que je vous ai transmises, puis que ma lecture s'est avérée être bonne. Ok, c'est pas mes prédictions, c'est juste ma lecture. J'ai ça de dire que j'ai raison, mes prédictions. Chris, je suis pas Dieu le Père, là, les dessins sont là, là. Faut juste vous habituer à lire le dessin, finalement. Ok, là, il y a justement le fait que... Et puis il y a le marché qu'il faut vous preniez en compte. Quand tout le monde disait, ah oh non, on va arrêter, on est sur... Oh yeah, on a touché le bottom. Tu sais, hey, ici, à 33 000, le monde, il criait qu'on avait touché le bottom. Yeah, on est reparti, on en repart peut-être tout bull run. Puis j'étais comme, ah, ça ressemble à un début de bear market. Hein. Pas mal sûr qu'on s'en va sur une drop après ça. Hein. Puis ma lecture a été bonne. On s'est trompé. Puis c'est pas parce que j'avais raison, ça n'a aucun rapport avec ma compétence. Il était écrit, là. Puis tout le monde pensait l'inverse. Donc, quand tout le monde pense quelque chose, généralement, le marché, lui, il se fie pas à ce que le monde pense. OK? Donc là, ici, tout le monde pense qu'on va dropper. Chris, j'ai l'impression qu'on va peut-être faire une rise ici, qu'on va faire un flatline avec la blanche ici, là. Comme... regardez ici, là. Regardez ici. J'ai l'impression qu'on va faire un flatline, là, puis que la ligne bleue va monter ici, là. Puis ici, c'est à peu près ça qui s'est monté, là, qui s'est passé. Regardez, là. On était au même niveau, à peu près. On était ici avec ma ligne bleue. Quand lui, il a touché son top. On est ici avec la ligne bleue. Lui, il a quasiment touché son top. Même espèce de comportement. Ma ligne verte est juste plus basse ici qu'elle est là.
Donc là, je pourrais avoir une espèce de rise, là, ça, là. Ça, c'est très possible. Au moins celle-là. Donc si j'ai celle-là ici, là, boum, 30 000. Je le pense, je le pense. 30 000, là, je le feel en ce moment. Je le feel très bien. Je verrais très bien 30 000 piastres se passer. Quand je pense au marché en général, puis tout ce qui se passe, là, c'est mon prochain plafond, parce que regardez ici, là. Puis je pourrais dire 26 000, là, mais pour moi, d'après moi, c'est alentour de 30 000 ici, là, si on se met une médiane. Puis regardez ici, là, ça fait plafond, ça fait plancher, ça aussi, là, 28, 29 000. Probablement que 30 000 est entre les deux. Vous voyez? Et 30 000, ça me fait... Ça me paraît un bon plafond psychologique et un bon nombre rond, ok? C'est le top de ma chandelle ici aussi, là. Tiens. C'est le top de cette chandelle-là, quasiment. Donc, je nous verrai remonter là avant de redropper, puis qu'on se rende jusque-là, ça ferait même beaucoup de sens, là. T'sais? Si on se met un Fibonacci Retracement, là, notre zone, la pocket Golden Zone, elle commence à peu près à 33 000. Puis, on a un niveau de fibre de 0,382 qui est à 29 400. Là, vous allez me dire, c'est un retracement en 2 points. Si j'en mets un en 3 points, je vais peut-être avoir une réponse différente. J'aime beaucoup mieux les 3 points de façon générale, mais je peux pas prouver qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Là. Mais regardez, là, si je me fie à mes zones, la zone de 30 000, c'est la zone de 7,86 de ce Fibonacci-là. Sinon, la Golden se trouve entre 27 et 25 600. Donc, tu sais, potentiel de retourner à 25 600, très grand en ce moment. Là. Surtout qu'un Fibonacci en retracement, 3 points comme ça, quand je vois ça, je me dis, on s'en retourne uptrend, puis probablement que ça va créer une espèce de gros bear trap, puis là, le monde va tout se faire avoir, puis après, on a le potentiel de redescendre, probablement, dans ces bas prix-là. T'sais? Justement, si je l'applique à l'inverse, ok, je l'applique comme ça, puis je dis que j'y remonte justement à 25 000, exemple que je me rends à 25 500 à peu près, là, que je drop, je réussis à remonter à 25 500 comme je viens de vous parler selon le marché, ok? Ma zone après de drop, checker 0,382, il est où? Ah ben, calice, 13 800. Donc, tu sais, j'aime pas le trop lire dans le futur, mais c'est ce que le Fibonacci Retracement peut permettre de faire. Si comme moi, vous pensez qu'il monte à 25 000 minimum, ben s'il monte jusque-là, puis qu'il redrop après avoir monté jusque-là, sa prochaine drop, en théorie, la Golden Pocket est même rendue à 10 000. Là, je trouve ça exagéré un petit peu, là. Je pense pas qu'on se rende jusque-là. Il y a trop de probablement de support psychologique avant ça. Mais 14 000, hein? Tiens. J'étais tombé à 13 099 pendant une seconde sur mon curseur, c'était très... Tu sais, c'est pas impossible. Puis, ça équivaudrait à quoi? À notre drop de 80% depuis le all-time high de notre bull run. Ce qui est une norme. Après une bull run, c'est au moins, d'habitude, 80. Il y en a qui vont dire, oh non, c'est 75. OK. Si tu penses que c'est 75, good. J'ai l'impression que j'ai juste besoin de partir ma drop plus haut, plus basse, là, tu sais. Je prendrais pas ma méchante compte. Là, tu sais, personnellement, j'ai vraiment le feeling que on a un possible remontée avant d'avoir une redescente. Ça me paraît plus évident qu'autre chose. Là, si je mets en plus un point de pivot, regardez ici, là, je viens de tomber par-dessus mon point de pivot. Regardez, j'ai droppé par-dessus mon point de pivot central. J'ai tombé ensuite par-dessus le point de pivot 0,236 de Fibonacci. Puis là, je t'entraîne comme de consolider par-dessus. On dirait qu'il veut pas descendre. Il est très bas, là, par exemple. Mais on aurait dit qu'il veut pas passer par-dessous. Là. S'il veut pas passer par-dessous, puis qu'il consolide son proche, puis qu'il retourne au prochain point de pivot, c'est 28 000 pareil. On s'approche du 30 000 dont je parlais. Donc, oui, je vais peut-être me tromper d'une couple de mille. Ça fait quand même une différence, mais... Mon feeling, c'est qu'on s'en retourne bien plus uptrend avant la downtrend parce que tout le monde dit l'inverse. Ensuite, ben regardez, les points de support vont être là. Donc, 13 400 puis 17 000 me semble tout à fait logique comme futur objectif. Okay. Donc, ça, c'est quand j'y mets les points de pivot. Si je les enlève pendant 2 secondes puis je mets mes EMA, là, par contre, là, je vois des résistances. Là. Regardez, j'ai une résistance ici, on a fait un lower high, c'est mon 8-13-21, le 89-55, puis ici j'ai des résistances. J'irai probablement
pas. C'est possible que je retourne défoncer ici, mais en même temps, regardez là. Si je retourne là, 26 000. Moi, je parlais de 25 000 tout à l'heure. D'après moi, il est possible qu'on puisse flasher ici jusque-là. Mais après, ça va être trop de résistance. Ça risque de nous étouffer notre montée. Puis, on risque de redescendre. Donc, peut-être que le marché se trompe pas. Puis qu'on s'en va vraiment sur une descente où on est parti. Mais j'ai un feeling uptrend un petit peu. Un peu comme si on allait. Là, on va consolider, là, comme ça. Là. Puis, je dis comme ça. Puis, peut-être même. Là, je cherchais d'autres consolidations, là, mais. Peut-être. Non. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir une espèce de vague de chandelle un peu weird, là. Dans ce genre-là, ici. Puis qu'ensuite, on drop. Donc, ça, c'est quand je regarde les EMA. Puis les EMA me disent cette espèce de mouvement weird-là, justement. Là. C'est ce qui me dit qu'on a des chances de bouger. Regardez comment que les EMA sont proches en haut de mes chandelles. D'après moi, on va avoir le même comportement ici. Une espèce de refus de monter, mais avec des mèches qui veulent s'essayer. Là. Donc, d'après moi, on va avoir droit à ça. Donc, vérifiez ça. C'est ce que le Weekly me dit. Vous voyez, sur le Weekly, on peut avoir de l'information quand même. Pas mal. Donc, si on regarde tout ça sur le Daily, à cette heure, qui va probablement être notre dernière charte du Bitcoin, on va la faire rapido. Ça fait déjà 9-10 minutes, je suis là-dessus. Ici, là. Ok, ici, mon stochastique RSI me dit on est sur une drop. Probablement qu'on est sur une drop pour encore. Probablement pour les 12 heures qui s'en viennent. On risque de traîner ma ligne bleue jusqu'en bas avant de repartir sur la uptrend. D'après moi, on va faire un peu comme genre c'est ici. Si on fait pas ça, on va. Elle va remonter, puis la ligne bleue va casser quand que la ligne blanche va la rejoindre. Ils vont aller en haut, puis ils vont aller faire comme j'en ai parlé hier. Ceux qui veulent aller voir le Omi Frog Show d'hier, je vous les invite à le faire. Vous allez voir, ça arrive souvent que mes shows, j'ai l'impression que si vous allez voir la journée d'hier, vous allez voir la journée d'aujourd'hui, vous allez tout le temps être capable de voir, ah ouais, ok, je vois ce qui s'en va de plus en plus avec ces chartes. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la journée d'avant, souvent, je vous invite à aller le faire, vous allez voir une espèce de progression, puis vous allez quasiment voir ce qui va se passer le lendemain avec ma charte. Vous allez voir, c'est je suis pas mal certain de ça. À chaque fois que je pense à ce que j'ai fait hier, je suis comme, aujourd'hui, ça se dessine. Donc, c'est super le fun. En tout cas, moi, je trouve ça le fun, ça m'écrit ça. Vous voyez sûrement dans ma face. Donc, tu sais, ici, belle petite drop. Je pense que justement, après cette drop-là, on s'en retourne en haut. On va traîner notre ligne verte en haut. Puis c'est après ça que notre Bitcoin va nous faire une belle rise. Là, pour ça, je pense qu'on n'a pas fini notre montée. Je pense qu'on est parti pour une petite rise ici. Là, probablement justement dans les 25, 26 000. Pew! Puis après, boum, aller redescendre jusque-là pour avoir une vraie drop. Donc, yeah, c'est mon feeling, c'est ce que je vois là. Les EMA me disent probablement justement qu'on va chuter un petit peu plus bas que mes EMA. On va pogner des plafonds probablement qui équivaut à la trendline de support qui doit se dessiner ici de façon automatique un peu. Là. Vous voyez, probablement qu'on va redescendre là-dessus. Oups, on va aller retourner à notre EMA 55, peut-être même le 89, pour ensuite, je pense, dropper vers notre 14 000. Donc ça, c'est ce que les EMA, sans dire qu'ils me le disent, mais rendent sensiblement possible, là, vu qu'on est tombé sous les EMA 8, 13, 21, j'ai l'impression qu'on va descendre, puis là, on cherche les prochains supports, qui risquent d'être pas mal dans ces niveaux de prix-là ici, si on regarde ça ici, là. On a pas mal des rebonds dans ces zones-là, selon les corps de mes chandelles, là, je ne me fierai pas aux mèches, mais c'est plus parce que je regarde une zone possible. Et regardez comment ça fit avec la trendline. Donc, je verrais très bien qu'on rebondisse ici dans les 19-20 000. En plus, 20 000. Waouh, 20 000, c'est comme une valeur ronde, psychologiquement dure à défoncer. Donc, d'après moi, on va rebondir sur 20 000 pour aller vers 26 pour retourner à 14. Si je regarde les points de pivot rapidement, parce que, hey, il y a déjà 12 minutes le Bitcoin, motherfucker. Donc, les points de pivot, ben justement, on a touché le point de pivot central. Le prochain point de pivot, il est direct où je parlais, à l'entour de 20 000 sur la ligne verte, à point de pivot 0,236. Boum, on remonte. On remonte où? On remonte. Moi, j'ai dit 23 000, mais j'ai dit 26 000. Ouh, si on remonte là avant de rechuter, on remonte où? Ça se peut qu'on remonte juste là, à 23, puis qu'on recrash après, vers notre 0,618. Donc, keep an eye on that, that's fucking interesting. Et on va aller voir les Omi Burn puis les Omi Astar sur un. Fuck yeah! Donc, hey, je vous invite à aller faire un tour sur une chaîne que j'ai pas eu l'occasion de partager. C'est un Québécois,
très drôle avec sa moustache. En fait, il y a juste comme une moustache. Presque une coupe longueuil, c'est très drôle. J'adore son style. Pour vrai, j'adore son style. J'adore son parler québécois. Excellent. Donc, je vous présente rapidement Token Mania. Il est sur le bord d'avoir 1000 subscribers. J'aimerais ça être capable de faire comme BAM! Puis il l'aider peut-être à monter à 1000 subscribers. Je sais que j'en ai juste comme 400, mais ça veut dire que si 20% de vous autres allez vous inscrire, si j'ai le potentiel de le faire monter à 1000 subscribers, je trouverais ça vraiment cool. Puis je trouve qu'il fait des vidéos quand même super intéressantes. Il parle du Bitcoin, des cryptos, un peu du Web 3.0. Donc, je pense même l'inviter dans. Je pense même l'inviter dans un des épisodes qui va venir. Donc, yeah, that's it. Checkez ça, la gang. Allez faire un petit tour sur sa chaîne. On va aller voir nos Homie Burn, puis la charte du Homie. Yeah. Donc, pour ce qui est des Homie Burn, on n'a pas bougé beaucoup, mais on a des drops qui s'en viennent. J'imagine qu'on est sur le bord de passer à notre 66 milliards de burn. Il va nous rester bientôt juste 200 milliards. J'ai vraiment hâte qu'on drop sous la barre des 200 milliards sur la réserve. Ça va être amazing. Je vous invite à aller faire un tour pour les fishies, les jeux qui burn des Homie, le Homie Frog Shop qui est dans la description du vidéo qui vous permet d'acheter des merch. Avec des logos Vivi, des trucs, pas des logos peut-être directement, le logo de Vivi, quoi qu'il y en a un ou deux, puisque la team de toute façon de Vivi a déjà accepté ce qu'on utilise certains logos pour la communauté comme ça. Donc, 100% des marchandises du Homie Frog Shop, burn du Homie. Je vais vous présenter au gilet la semaine prochaine, ou cette semaine, je l'attends impatiemment. Je me suis collé plusieurs t-shirts, mais plusieurs pareils. J'aimais beaucoup mon petit logo, puis je voulais en avoir plusieurs que je toucherai pas, puis mais que j'en ai scrappé un, mais je vais en avoir un autre pour le remplacer. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à avoir un au moins un des shirts. Si la qualité n'est pas assez bonne, j'ai un ami qui vient de se starter qu'il faut que j'aille voir. Il fait des gilets lui-même avec les logos lui-même custom. Donc, je vais regarder tout ça avec lui pour voir s'il n'y a pas possibilité de nous faire tout ça. Mais n'oubliez pas, Burn Zomi, ça peut tout changer. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Soit si vous en achetez, vous n'en avez pas. Hein, ça, c'est déjà notre financial advice. Mais, ne pas avoir de Zomi, pour moi, c'est une mini-erreur. Le potentiel au prix qui est en ce moment à 0, alentour de 0,17, justement. Là, oh my god, super good price. Même s'il montre rien qu'à une scène, c'est genre fois 6, 7 de votre investissement. Facile. Puis le potentiel, ça monte à 5 cents. Et très bon. Donc, on parle de fois 20, fois 30. Donc, je connais pas beaucoup d'investissements qui peuvent vous faire aussi bon de profit que ça. So, le Homie. So, pour ce qui est du Homie sur le Weekly, d'après ce que je peux voir ici, on a une espèce de flatline qui s'était dessinée. Okay, ça, c'était quand même clair, net et précis. Mais là, notre line blanche, là, a fait un casse vers le bas comme ça. Il nous reste 5 jours sur la semaine, mais qu'il y ait une casse comme ça me dit « Oh, yeah, ok, probablement que la downtrend, elle s'en vient de façon officielle. » Quand le weekly nous montre une casse comme ça, si on réussit à la maintenir, bien sûr, cette tendance-là pour les 5 prochains jours, je dirais ça comme ça. Là. Mais regardez, puis en plus, c'est quand même une bonne cassure. Donc, quand je dis cassure, c'est qu'elle fait pas juste un angle à l'air d'être en 45, quasiment 40 degrés, et pas juste à 15 degrés comme ça en penchant. Là, donc, ça ici, pour le stochastique, me dit vraiment potentiel de retour dans le trend à venir. On a touché le point de pivot central aussi après avoir le touché du 3,82. Ça me dit qu'on risque de crasher pour aller chercher l'exemple 0,5 qui est comme la golden. Ça nous ferait perdre des zéros, ça. Donc, keep an eye on that, j'en ai déjà parlé, ça se pourrait fort bien qu'on perde des zéros. Est-ce que ça s'en vient? Ça se peut. Si je regarde les EMA du weekly, regardez un petit peu les EMA, ce qu'ils nous font, c'est qu'on avait traversé le 8, mais on n'a pas réussi à traverser le 13, il a été refusé. On est encore en train de faire un refus pour l'instant du 13. Donc si on fait un refus, deux refus du 13, puis qu'on n'a pas totalement réussi à consolider par-dessus le MA8, ce qui va se passer, c'est qu'on va le crasher le 8. Si on crash le 8, les points de pivot nous montraient pas mal où ce qu'on s'en allait pour la suite, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça, c'est ce que je vois. Weekly, stochastique, EMA,
puis Fibonacci's. Oubliez pas, on vient d'aller voir le Bitcoin. Le pourquoi je fais le Bitcoin est toujours, toujours important. Puis même souvent, je passe plus de temps sur le Bitcoin que l'OMI. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin fait ce qu'on vient de parler, qu'il nous monte, puis après il chute, ben ici, on a le potentiel de monter, puis ça rentre à genre 0,23. On a ce potentiel-là, là, sur le weekly. Ce serait pas impossible qu'ici, on remonte sur les 5 jours, qu'on fasse une flatline avec la blanche, que la bleue finisse de monter. Mais une fois qu'on va remonter là, ou au maximum là, mettons qu'on étire les cheveux au point que j'ai les cheveux aux épaules, là, tellement j'étire les miens, OK? On peut monter à 0,35 avant de rechuter. Peut-être qu'on va rechuter au plus bas ici à 0,10, là, mais on peut quand même rechuter. C'est quand même pas impossible. Il n'y a rien qui n'est pas. Y a rien qui est impossible pour l'instant. Même qu'on est en théorie plus bearish que bullish. Donc les chandelles bleues qu'on a, ça vaut rien tant qu'on n'a pas consolidé par-dessus au moins des EMA. Là, on consolide fuck all. On consolide pas du tout pour ceux qui parlent peut-être pas québécois. Parce qu'en québécois, on dirait fuck all. Veut dire zéro puis une barre. Nada, zéro. Imaginez le plus. Zéro infini que vous pouvez, ok? C'est fuck all. Donc, sur le daily, attends. Le daily. Mon stochastique RSI sur le daily me dit, oh, on s'enligne pour une downtrend, peut-être pas la plus violente parce qu'on s'approche déjà d'un bottom, quoi qu'on peut, on pourrait traîner, là. Traîner un peu comme ici, là. Vous voyez, des fois, les EMA, ils traînent longtemps dans le bas, là. Ok? Pas mes EMA, mais mon stochastique RSI, court time frame, il peut traîner longtemps dans le bas ou dans le haut. Okay? Donc, c'est pas impossible. Donc là, c'est même probable que ça soit ce qui se passe. Est-ce qu'on a droit à une grosse drop? D'après moi, on va avoir une rise ici. Poink. Probablement aller avec le Bitcoin qui, dans les jours qui viennent, va probablement monter. Là. Okay? Vraiment, on a une rise, ce qui va nous remonter. Mais on va probablement faire une espèce de flash par-dessus notre EMA 89, qui est la jaune, ici, puis le 100. Qui est là, d'après moi, on va aller gosser là-dessus. En même temps, je dis ça, mais je pense que je vais reprendre ce que je viens de dire. Quoique, c'est possible. C'est possible, mais très peu probable, parce qu'on a trop une grosse convergence ici de mes EMA comme ça, puis comme ça. La triangulation entre ça ici, qui se trouve à faire une espèce de résistance, puis mes EMA, les petits, les trous de couleur qui font une espèce de support, là, je suis trop compressé. Donc là, il faut que ça pétoche d'un bord ou de l'autre. J'ai l'impression qu'on est peut-être plus parti pour étirer ici. Genre, je pense qu'on va étirer sur le stochastique RSI sur le long terme. Puis qu'on va dropper tranquillement, pas vite. Là, comme là, en ce moment, si on regarde les volumes... Là, attendez un petit peu, faut faire ça pour regarder les volumes... si on regarde les volumes, regardez justement. Depuis qu'on a commencé à dropper, le volume a augmenté tranquillement. Pas beaucoup, par exemple, hier, justement, je suis surpris qu'il ait réussi à dépasser le volume de la journée d'avant. Mais là, si on regarde, il nous reste 12 heures, ce qui veut dire que la journée, il en reste la moitié à faire. C'est quand même pas pire, là. C'est une grosse portion de la journée. C'est 50% de la journée. Le volume est déjà à au moins 80% de ce qui était le volume d'hier. Ouh, OK. La chandelle, elle est rouge et elle est quand même downtrend. On est en chandelle de style Ikenashi, vous savez, c'est les chandelles que j'utilise. Parce qu'ils sont plus simples pour la plupart, qui font pas de la charte, mais qui veulent quand même suivre les mouvements et voir les vagues. Ce type de chandelle-là qui se dessine en ce moment est juste un signe de la suivante qui est aussi downtrend. Généralement, regardez un peu le genre de chandelle qui suit. Tu sais, elle a pas de mèche en haut, là. Donc, quand ils n'ont pas de mèche en haut, toing, 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 toing. Donc, on pourrait vraiment être sur le bord en train de faire un refus. Elle pourrait traîner dans le bas, puis on pourrait traîner notre ligne verte. Donc, le daily me dit possible retour downtrend pour le Omi. Même peut-être une défonce du MA 55. Puis si c'est le cas, ça pourrait nous amener une violente downtrend. Donc, on va aller voir. Hein. Des fois, on met des points de pivot. C'est nos points de pivot, là, on avait touché la résistance du point de pivot en 3 ici, là, je nous verrais très bien continuer à chuter. Ah oui, c'est vrai que c'est, là, je nous verrais continuer à chuter. Ça pourrait être une bonne news, ça pourrait burn du OMI encore plus, parce que plus que le OMI est bas, plus qu'on en burn une grande quantité quand il y a des burns, donc, ok, les points de pivot me disent downtrend, donc, ouais, watch ça, je pense qu'on est plus dans la downtrend que d'autres choses, puis je dis ça, puis regardez. Sur le 4 heures, comment on a une uptrend à venir. Donc, je sais plus.
Mais un feeling downtrend. J'ai un feeling downtrend pour le OMI, puis uptrend pour le Bitcoin, parce que tout le monde dit qu'il va être downtrend. Mais la question, ça va être où je me trompe. On va voir ça demain, la gang. Donc, je laisse ça là-dessus. C'était peut-être rapide pour notre OMI, mais tout dépend du Bitcoin tout le temps, de prime abord. Donc, selon ce qu'il va faire, lui, il va sûrement suivre un petit peu. Mais ici, on a plus une downtrend qui semble se décider à mon œil, à moi, rapidement, qu'une uptrend. Même si 4 heures est uptrend, ça se peut que la uptrend soit pas d'une super violence. Oubliez pas, on est dans un bear market. Les uptrends, des fois, sont très down, sont très consolidatrices. Comme ici, exemple, on avait eu une uptrend, mais on a consolidé. Donc, à surveiller. Je pense qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ça vont être des grosses journées qu'on va vouloir avoir un œil sur nos chartes. So, yeah, that's it. That's all, je vous dis peace. On se revoit demain pour un autre OMI Frog Show. Je vous invite bien entendu à faire le smash sur le subscribe button, la clochette, les notifications pour manquer aucun des épisodes qu'on fait tous les jours, que ce soit du OMI, du VV Frog Show, etc. Donc, yeah, that's it. Allez faire un petit tour sur mon Twitter, puis j'ai un TikTok maintenant. Je vais mettre le lien dans la description. Yeah. Peace.